le Pérou est le pays avec la plus forte densité de concombres d'eau douce au monde. S'il en est ainsi, c'est parce que le concombre d'eau douce a développé un système de défense hors norme. En effet, en cas d'attaque par un prédateur, le concombre éjecte son système digestif par la nuque. Bourré de toxines, il immobilise le prédateur. Ah mais tiens, regarde justement, Félix, en voilà un beau. Regarde. Alors en fait, les concombres d'eau douce sont répartis en différentes espèces et sous-espèces. Il y a aussi le concombre de mer qui est assez intéressant parce que... Oh, le très beau spécimen! Thiago, j'ai reçu ton message, qu'est-ce qui se passe? Ah, Claire, parfait, tiens, puis ceci. Et Thiago, ça fait 2 semaines que tu m'as pas envoyé de message, et là, tu m'envoies un message urgence absolue, vite, vite, chez moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, j'ai trouvé le carnet de mon père. Il l'avait pas avec lui, en Cambodge, pour sa... Disparition, si, mais... Il avait l'habitude de réécrire toutes ses recherches dans un autre carnet, à la maison. C'était le dernier indice qui manquait à Félix. Félix ? Et les caméléons nous en font voir de toutes les couleurs. Thiago, allô ? Félix ? Félix, oui, c'était le caméraman de l'émission. C'est le seul qui pense que mon père est encore vivant quelque part en Cambodge. Mais ton père est encore vivant ? Et si, voyons, Claire. Écoute, il y a 3 semaines, Félix m'a appelé. C'était le meilleur ami de mon père et... Il est toujours en train de le chercher depuis cet incident au Cambodge. Il était toujours sur la bonne piste, mais il lui manquait un élément. Pas. Peu importe les risques. L'important, c'est d'accepter les défis. Écoute, je suis super contente pour toi, vraiment, mais pourquoi tu m'as appelé? Je pars au Cambodge. Et j'ai besoin de quelqu'un pour m'emmener à l'aéroport. Le temple de Prasat Sangkar. Le temple de Prasat Sangkar! C'est ça le temple? Ne crie pas, pauvre fou, les murs ont des oreilles! Il a tout détaillé, la position du temple et comment on y rentre. C'est cette phrase-là. Tu sais ce que ça veut dire? Pour découvrir le secret de la lumière, l'homme doit rester humble et vénérer le soleil de pierre. Les secrets de la lumière? C'est le pouvoir que renferme le temple. Le temple de Prasat Sangkar. La légende dit que les anciens Khmers ont découvert il y a des milliers d'années comment utiliser la lumière pour rendre les hommes immortels. Ils auraient enfermé ce pouvoir ancestral dans un temple perdu appelé le Prasat Sangkar, le temple des âmes. C'est ce que cherchait ton père avant de disparaître. Du moins, c'est ce que l'on veut nous faire croire. J'ai l'intime conviction que Pablo est toujours à la recherche du temple. Quel temple? Mon Dieu! Ils nous ont repérés! Thiago, pars! Mais c'est elle qui m'a amené. Je savais que ce jour arriverait. Prends le carnet, vite! On n'a jamais ces informations! La situation dégénère. Thank you.
Tu vois, Marie-Cécile, cette sauce samouraï, là, on a bien fait de l'acheter, parce que dans la pub, ils disent que c'est la meilleure et que c'est la plus piquante. Et c'est vrai, je pense, parce qu'il y a marqué spicy dessus. Pas ici, Jean-Bernard. Oh, spicy, spicy, c'est un peu pareil, hein. Mais mon Dieu, mais c'est vous ? C'est vous, hein, qui vous êtes introduit chez moi à 3h du matin. Vous avez causé des dommages irréparables à ma femme, hein ? Psychologiquement, non, elle est détruite. Non, mais c'est pas... Hein ? Vous pensez que ça coûte combien, une séance de psychanalyse ? Hein ? Hein ? Vous pensez que ça coûte combien ? Évidemment, vous savez pas combien ça coûte, vous, une séance de psychanalyse ? Hein ? Ou de Jésus ? Non, mais attendez. Marie-Cécile, venez là. Thiago. Concombre d'eau douce, système de défense, bourré de toxines, éjecte son système digestif par la nuit. Putain, ça pique! Merci, hein. Je suis désolé pour tout ça. Je crois qu'on a mis les pieds dans le plat de quelqu'un qui nous aime pas trop. Je vais y aller parce que on avait envie de vous. En tout cas, je suis vraiment super content d'avoir quelqu'un à qui je peux avoir confiance. Tiens. De toute façon, il te va mieux à toi qu'à moi. Malade! Vous avez failli faire capoter toute la mission! C'est ça que vous appelez discrétion totale? Le plan continue. Il part au Cambodge.
Écoute, mon petit Pablo, ça fait 15 ans que nous jouons à cache-cache tous les deux. Alors, c'était marrant les 10 premières années, mais je suis sûr que tu as envie, comme moi, de savoir ce qui se passe derrière cette porte. Dali, même si tu parvenais à l'ouvrir, tu comprendrais pas la valeur de ce qu'il y a derrière. Mais pourquoi tu t'obstines à protéger les objets de valeur qui prennent la poussière ? Non ! Tiago ! Mais quel timing ! Je dois avouer que tu dépasses et de loin toutes nos espérances. Mais peut-être que tu nous seras plus utile que ton pauvre père. Donne-moi le carnet ! Je vois pas ce que vous voulez dire. Oh la pute ! Davaï ! Ah si, 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 ah, oui, si. Voilà. Ah oui. C'est ça. Bon sang, Tiago, mais qu'est-ce qui t'a pris ? Je vois que ça te fait autant plaisir que moi qu'on se retrouve. Mais enfin, regarde, mais ces gens sont dangereux ! Un aventurier m'a dit une fois. Peu importe les risques, l'important, c'est d'accepter le défi. Non, 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 non et non ! Pour découvrir les secrets de la lumière, l'homme doit rester humble et vénérer le soleil de pierre ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein ? C'est comme ça que vous voulez la jouer. Fichera, yazavtraka. Oh, la ferme. De toute façon, j'ai jamais rien compris à ce qu'il disait. Alors. Oh mon Dieu, mais il n'y avait pas besoin de le buter. Ça veut dire appuyer. De quoi? En ancien Khmer... Non, Tiago. En ancien Khmer, le mot vénérer veut dire aussi appuyer. L'homme doit rester humble et appuyer le soleil de pierre. Écoute, Thiago, quoi qu'il arrive à partir de maintenant, je voulais te dire que je suis fier de toi. Et que si je pouvais reprendre toutes les heures que j'ai perdues et qu'on m'a volées, je les revivrais avec toi, maintenant. Moi aussi, papa. Oui ! Que c'est que ça ? Yagavali ou Paluski ? Quoi ? Ah non, 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 non ! C'est pas l'immortalité, ça ! L'immortalité ne veut pas dire seulement rester en vie. En fait, les anciens Khmer savaient que l'âme d'une personne peut demeurer en vie grâce au cinéma. Le cinéma ? 30 ans ! 30 ans que je cherche cet endroit, 30 ans! Et tout ça pour un petit film d'amateur du siècle dernier? Ah! Tuez-les! Dali, on avait dit qu'on tuait personne! Parce que toi aussi, tu t'y mets. Alors on passe la moitié de sa vie à chercher des babioles sans intérêt? Mais c'est ça pour vous, l'immortalité? Eh ben, puisque c'est comme ça, hein, personne ne l'aura! Dali, réfléchis! Ce qu'on vient de trouver a une valeur historique inestimable. Eh ben, c'est trop tard. Puis, Tiago, puis. Non. Et n'oubliez pas, peu importe les risques. L'important, c'est d'accepter le défi.
Retrouvez-nous tous les soirs à 21h sur Planète Science pour Villahermosa, l'aventure continue. Oh mon Dieu, ça c'est un port. Ah, Claire, fais quelque chose. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui pourrait m'aider à me relever? Non, je suis pas allé au stage de prévention des chutes la semaine dernière, du coup... Ah, il est là. Ouais, du coup, j'ai l'air d'un peu... Mais voilà, j'ai perdu mes jambes au Cambodge. Tout ça, là. Allô? Allô? Ah ouais. Je vais rester là, alors.